Allez, bienvenue à tous. On se retrouve dans les caves du directeur Krieg. On était à sa recherche. Alors fouillons un peu. On va défourailler ce soir encore. On va essayer d'avancer dans ce petit let's play. On avait pas mal avancé, hein, malgré quelques erreurs, notamment avec le sol électrifié ou je ne sais quoi, où il y a du monstre dans le coin. Il y a de la bête. On se croirait dans Resident Evil par moment. C'est à se demander. On va tomber sur un tyran, on va pas comprendre. Et on allait passer bientôt level 17 aussi, avec notre démo mage, comme j'aime à l'appeler. Alors on avait mieux, un peu moins d'armure, mais on avait de l'énergie dessus. On va garder pour l'instant. Notre but c'est de s'équiper au mieux. On va essayer de reprendre notre ami en main. Voilà, genre comme ça. Genre comme ça. Mais tais-toi donc. Ah, il y a les mecs cachés dans les murs. Ça c'est un peu chiant par contre, je trouve, par moment. Après c'est personnel, hein, je le dis. Il y en a qui aiment, moi ça me dérange, voilà, on les voit pas bien des fois. Je trouve ça un peu dommageable. Même si on nous fait disparaître un peu de décor. Après sinon, niveau ambiance, on est sympa. On est mieux, je trouve, ici. On a un fond d'ambiance, au lieu d'avoir une musique un peu à guitare. Et pas héros. Non. Oh, ça a l'air joli. Ça peut être bien, si ça nous est destiné forcément. Que ça, c'est moins sûr. De la ferraille. Ça, je prends. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit capuchon. 9 de dégâts physiques. Bah, c'est pas pour nous. Dommage parce que ça a l'air joli. Bon, on va le ramasser, ça peut servir pour un autre perso. Why not? Cassons des portes. Voilà, on est monté 17. Wow, il y a les mecs qui ont pop derrière. Oh, ça a l'air stylé. Bim, l'œil il est mort là-bas grâce à ce que j'ai fait. Parce qu'eux sont moins solides. Donc finalement on peut se faire plaisir, leur fumer la gueule. Ah, il en reste un qui était caché. Alors on était venu pour buter Krieg. Et ouais, rappelons-nous, et le mec il faisait des trucs pas très cato d'après ce qu'on avait pu comprendre. Donc on a eu ça, ouais, c'est de la malice encore, donc c'est toujours pas pour nous. Qu'est-ce qu'on avait monté récemment? On va monter peut-être un peu de physique, je crois que j'avais pas dû monter récemment, et après on mettra en esprit. Ça me paraît bien. Ah voilà, regardez, une belle petite capuche, c'est con parce qu'elle a l'air stylée. Alors je sais pas s'il y a ce système d'équiper, je crois pas. On peut s'amuser à la mettre. Ah ouais, elle est stylée la capuche. J'espère qu'on en aura une jolie comme ça pour soit occultiste. Et en parlant d'occultiste, peut-être invoquer mon petit Korbach. Voilà. Voilà, non mais il y a encore des mecs cachés dans les coins. Bim, on fait tout sauter. C'est bien, Korbach. Alors, je suis pressé d'avoir un limier, ce sera peut-être un peu plus stylé. Ah, ça, c'est de la daube. En plus, ça fait pop un pilonneur de chair. Ça nous en fait deux. Bim, je sais pas si on l'a touché, je ne crois pas. Alors, je ne sais pas si on le touche, oui. Ça a l'air un garde de braise pourrissante. Mais calme-toi bien. C'est pas parce que t'as le même level qu'il faut te la péter. Ah, eux, je les aime vraiment pas, nos amis les yeux. C'est quoi ça? Ça pète. Ou ça a l'air bien. Il y a de la ferraille. Par contre, il n'y a pas un autre truc derrière? Non, il a pété avec. Les yeux. Toujours viser les yeux. Je sais pas si on peut toucher de là-bas, non? Dommage, hein, on peut pas tirer à travers les murs, forcément. Ce serait cheating. S'il te plaît, calme-toi bien. Il y a du monde là-bas qui nous attend et qui arrive. C'est la fête à la maison. Ils ont l'air de se battre entre eux. On ne sait pas ce qu'ils font. Alors, il y a des mecs là-bas.
péter des caisses. Ouh, ça peut être bien, mais cuir, je suis pas sûr que ce soit pour nous. Allez savoir. Ah, mais eux sont relous, hein, les dodos. Non, mais sérieux. C'est quoi, c'est ça? 3% d'énergie régénérée, gna gna résistance poudre, poison et acide. Ouais, après, c'est sympa, on perd un d'armure, mais. Je crois qu'on a rien de. Si, on a un plus de physique. Ah oui, on a mis un émeraude dessus, c'est pour ça. Donc finalement, avec l'émeraude, il est bien meilleur. On le veuille ou non. C'est vrai qu'il faut se rappeler qu'on a la glace aussi. Important. Pour glacer les gens. Les laisser de merde. Mais te casse pas! Oh, le garde pourrissant. Une fourrure piquante. Allez, on bourre. On s'en fout, on bourre. Merde, il y avait un mec dans mon dos. Calme-toi bien. Alors là, il y a deux côtés. On est dans une sorte de mine. À la base, on cherche un laboratoire. Ça a l'air de tourner en rond, ce coin. J'ai vraiment l'impression d'être dans Resident Evil, des fois. Sans mentir. Ration, on prend, ça remet full bouffe. Ah, un hôtel, ça m'intéresse. On va offrir. Ah oui, il y a du couteau et tout. Ok, donc on a gagné un point de plus en dévotion. Dévotion finalement que je n'ai toujours pas été voir, donc j'ai pas mis mes nouveaux points. C'est vrai que j'avais dit que je regarderais et je l'ai pas fait. On va fouiller peut-être un peu les autres trucs. Il y avait à gauche ici, il y a une montée de l'autre côté. On va jeter un œil. Bon, je crois que ça rejoint de l'autre côté finalement. Regarde un peu vite fait. Imaginez, on aurait des petits cadeaux, des trucs. Vu qu'il y a l'air d'avoir des caches en plus pour le stuff par moment. Je veux bien dégager l'araignée qui pue. Oh, le débarras abandonné. Le bon débarras. J'ai l'impression de tourner en rond. Peut-être pourquoi pas de revenir en arrière. Ah, j'aime pas ça. Je vais avoir l'impression d'en avoir partout sur le corps, non? Laissez-moi tranquille. Non, on n'a jamais été ici, hein, finalement. Bim. J'ai pas capté pourquoi il a été glacé. Pourquoi il a été glissé. Non, bah oui. J'avoue ne pas comprendre pourquoi il a été glissé. Bim. Ça, je prends, ça peut toujours servir. D'autres escaliers, bon, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Par des portes à défoncer. Un fameux repas. Je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des points, des sortes d'endroits où on peut récupérer de la vie. Bon, ça, je vois que ça. En tout cas, il n'y a rien d'extraordinaire. À moins que j'aurais raté quelque chose. Mais je ne crois pas. Ça me paraît plutôt pas mal. On est bien engagé. Bon, en tout cas, c'est un bordel monstre hein, pour trouver son labo secret là. Le mec, il l'a planté bien profondément sous terre. Encore le débarras. Alors, il y a une porte. Mais calmez-vous, les loups-garous. Ruban imperméable, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais stop me cracher dessus. Ah, la ferraille, bon on n'est pas venu pour rien parce que je crois que ça va resservir encore ça. Ah j'imagine. Peut-être me trompe. Bon les cafards là. On se calme. Bon on n'est pas venu ici. Griffe ébréchée. On prend, je crois que c'est des composantes de craft. Hein. On n'a pas encore vu beaucoup le craft. C'est pas encore beaucoup évolué à notre niveau. Calmez-vous bien. Voilà, parce que moi je vous fais genre ça. Vous allez vite comprendre. Moi je fais de la bouillie de dodo. On se calme. Le pognon, ça c'est bien. Du pognon.
Le pognon, ça peut toujours servir, même dans ce genre de jeu. Bon, on a quasiment fait le tour, hein. Voilà. Calmez-vous, araignées mutantes. Je sais pas d'où ils sortent leurs araignées. Non, ça c'est de la daube. Là, il y a un truc, ferraille. Je prends. Comme j'ai dit, ça peut toujours servir, même plus tard. Regardons un peu ça. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Un couteau sacrificiel, normalement. Ça peut être pas mal. Alors, 7 dégâts de froid, 14 dégâts de foudre, 8% de dégâts de brûlure de gel, 3% de malice, 3% d'esprit. Ça, c'est sympa. Quoique, non, on a plus, nous. Plus un pack de Mob Drogen et là, Blackwater. Cocktail Blackwater. Alors, je crois que ça, c'est pour les skills actifs dans la dévotion. Putain, c'est un bordel. Alors, ce qui est un peu dommage, ouais, c'est que les composants de craft n'ont pas l'air de se cumuler. Ça, je trouve ça un peu moisi, personnellement. Alors, on avait pu retrouver ce défaut dans d'autres jeux de ce genre. Et sur la longueur, c'était un peu chiant. Parce que ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Alors que stacker ensemble, ce serait beaucoup plus intéressant. Allez, on va pouvoir filer de l'autre côté. On y croit. Hop, on s'est arrêté ici. Et il y a justement un passage déterré. Donc voilà. Ça nous permettra d'en récupérer. J'aime bien, c'est qu'on est sur la bonne route quand on voit ce genre de truc. J'aime ça. Bah voilà, il y en a même un deuxième. Leur pop des mobs. Ah bah ils ont même pas eu le temps de pop les mecs. J'espère que ça nous donne quand même l'XP. Car voilà, on a fait d'efforts. Où il y a du monde ici. Où qu'il y a du monde. On va peut-être reculer un peu. Wow, wow, wow. Non mais j'arrive même pas à tirer quoi, c'est le bordel. Ah bah je suis mort. Ah non mais là je me suis fait allumer ma race quoi. J'ai voulu glacer, ça a pas marché. Alors le gros problème c'est qu'il va falloir refaire tout à pied. Bon on est à côté, on a pris les raccourcis. Donc ça devrait le faire. Tout là-haut normalement. Là il y a l'hôtel qu'on a restauré. Bon ça devrait aller vite. J'ai plus à fouiller. C'est déjà ça. Je crois qu'on peut couper aussi à certains endroits où j'ai contourné. Genre peut-être ici, j'ai un doute. Non, c'était pas là. Ah bah non, en fait c'est peut-être une feinte, on peut pas. J'y ai cru, mais c'était pas vrai. En tout cas, on est passé par ici, ça c'est sûr. Il y a eu carnage. Ah, il y a un coffre. Je n'avais point vu. Oh. Baguette abritante de la flamme. Ouais, c'est pas spécialement pour nous, quoi. Mais dégâts d'acide. Je sais pas, on pourrait tester. Hein. Qu'est-ce qu'on a, nous? Ouais, mais il y a le 3% de physique et tout qui est intéressant. Mais là, il y a plus de dégâts d'origine. Mais c'était quoi? Ah non, c'est ça qui est dommage, on va perdre les 5% d'esprit. C'est plutôt pas mal ça. En sachant que logiquement, nos dégâts devraient être dans les sorts si on suit la logique. Hein. Vu qu'on est mage, on tape pas au cac donc. Mais bon, si, ça doit prendre un peu le dégât d'arme, normalement. Là, on va tester. Je vais regarder combien je perds déjà. Alors, on perd 11 en esprit et... Merde, il est où? Mon coup de chaos. Et 5, ouais. Ouais, why not? Allez, on va tester. On peut tester. Bon, ici, il y avait du bordel. Voilà, ici. Bim.
Le truc, c'est qu'il va falloir améliorer. Ah ouais, non, mais c'est blindé, Dieu. C'est eux qui foutent la merde, là. Mais carrément. Ah, j'ai pas mon carback. Rendez-moi mon carback, il y a un nez caché. Ok. Crystal. Alors j'ai fait la glace, mais ça n'a pas l'air d'avoir glacé. C'est la sensation que j'ai. Fumer ça tout de suite. Voilà. Mon cristal. Alors c'est fermé, mais il y a l'air d'avoir une route, donc comment on fait? T'es gentil, quoi qu'il y ait une autre route par là, non, par là. Alors on peut peut-être contourner. C'est ça le délire. Ça paraît plus que probable. Ouais, non, mais ils sont cachés encore derrière le pilier, quoi. Le pilier, il se vire une fois qu'on est proche. C'est ça qui est chiant, en fait. Mettez-toi donc, araignée de malheur. Là, c'est ouvert. Oh, encore un couteau. Oh, j'ai fait laguer le jeu. Oh, mais c'est le bordel. Ah, il y a un réanimateur. Bourre-le. Il y a lui, là. Oh, moi, je bourre tout, là. À ce niveau-là. Genre, cassez-vous, quoi. Bah oui, bah ça j'ai vu. On fait comme ça. Et on bute lui. Voilà, les mecs qui sont un peu loin pour les ralentir. Mais calmez-vous bien. Du pu mutagène. Voilà, on a toujours ce système donc de récupérer de la vie une fois que on a fini des combats par rapport au nombre de kills, je pense. On a récupéré un nouveau couteau. Ah, mais il est pourri. C'est pas pour nous. Ah, ça a pas l'air. En tout cas, je le trouve un peu périmé parce qu'en plus on perd beaucoup de dégâts. Non mais encore les mecs, mais cassez-vous. Faudrait peut-être que j'aille me débarrasser de ça. Mais c'est blindé de cristal ici. Bim. Bon, je les ai prévenus que j'allais leur fumer leur race. Bon, ils m'ont fumé tout à l'heure, certes. On est d'accord là-dessus sur le principe. Voilà, je l'ai mérité. Mais tu le fais et tu te tais. Sérieux, quoi, stop le bordel et pas du même arras. Voilà, qu'il fasse pas repop. Congelez-vous. Ah, mais les yeux derrière là, ça c'est chiant. Voilà, calmez-vous. Merde, j'ai plus d'énergie, casse-toi. Et merde, je suis mort, voilà, j'ai pas fait gaffe. J'avais plus de popo. Voilà, ça commence mal, on fout le bordel, on gère mal le monde. Et en plus, ça repop dans mon dos pendant que ça popait tout en allant devant. Par contre, il me paraît long ce chargement. S'il te plaît, le jeu revient. J'ai cassé le jeu.
Ah, ça y est. Je croyais que j'avais cassé le jeu. Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir en profiter pour mettre mes points tranquillement. Où est-ce qu'on va mettre ça? Je sais plus où on avait mis récemment. Leur bac, on l'avait monté un peu. Ça, c'est pas mal, il y a du saignement. Là, on n'a pas, c'est la suite de ça. Ça, c'est du poison. Et ça, c'est le feu sorcier. Ah, c'est vrai qu'on avait des nouveaux sorts. Ah oui, ça avait l'air pas mal. Ça absorbe une partie des dégâts. Ça me semble bien. Est-ce qu'on avait distorsion? Amélioration donc du missile. Et du dégât de feu, ça me paraît bien ça. Volonté des arcanes. L'adrénaline est une force puissante dans les situations désespérées qui peut renverser l'issue d'un combat. Ça, c'est quand la santé est à ce moins en dessous des 70%. Plus 25 à tous les dégâts. 3 d'énergie en plus régène par seconde. Ouais. Ok. Ouais, why not? Ah, le truc, c'est qu'on n'a pas mis les points de dévotion. Faudrait vraiment que je me prenne la tête à le faire. On le fera peut-être plutôt en fin de vidéo. Voilà. Même si on doit prendre 5-10 minutes, voilà qu'on fasse ça tranquillement bien. C'est vrai que là je perds un peu des stats le problème. Sûr qu'il y a de quoi gagner. Mais vas-y, j'ai pas appuyé, ça m'énerve quand ça fait ça. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon allez, il faut revenir dans le bordel. Et il faut que j'arrête de mourir comme un nab. Bon, en même temps, j'admets que je suis pas un pro dans ces jeux-là. Même si j'aime ça. Et le truc, c'est que j'ai fait une classe hybride aussi, donc je perds un peu dans mes talents de mage. Vu que je pourrais faire plus de dégâts. Mais j'avais vraiment envie de m'amuser à faire ce démo mage. Autant profiter justement qu'on puisse faire de la double classe et montrer ce qui était possible. C'est un peu le délire, je trouve. Donc c'était dommage de pas en profiter. Même si c'est pas forcément la meilleure utilisation, surtout sans connaissance du jeu. Faut se mettre d'accord. Merde, je suis pas passé par ici tout à l'heure. Peut-être pas la bonne route alors. Ouh, ça a l'air bien ça. Ça a l'air d'être le bordel, non? Alors franchement, je sais pas si c'était par là. Bah en tout cas, ça remet derrière. Merde, il y a des cafards là. Pardon. Merde, il va attaquer. J'avais envie de dire nouveau skill. Faudrait peut-être regarder un peu. Genre le bouclier, les trucs comme ça. Mais casse-toi, merde, il me fait ramasser de la dope. Et j'ai pas eu des ventes, j'aurais pu en profiter pour vendre un peu. Là, j'ai vraiment beaucoup de bordel. Oui, je voulais regarder les nouveaux skills. Ah, parce qu'on a du bordel là. Ah, voilà, ça, la sphère, je voudrais la mettre là. Quoique j'aurais peut-être dû mettre. Ouais, si, c'est bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le missile, on a déjà. Tempête, c'est bon, ça on a rajouté. Élixir d'esprit, on a. Bon, bah je crois que c'est tout. Hein.
Ça me paraît bien. Alors je regarde un peu à quoi ça ressemble, si c'est infini, comment ça marche. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors il y a un bouclier. Ah. Mais stop toi, putain, mais ça c'est chiant. Ah ouais, non, mais j'ai ma souris qui fait de la daube. Voilà, pardon. Elle me fait des clics droits sans demander. Ma tombe. Ah oui, on perd un peu d'expérience en fait quand on meurt, ce serait ça le délire. Ah, c'est pas le moment d'avoir le nez qui chatouille. Non, moi je vous le dis. Là, c'est clairement pas le moment. Bim, niveau 18, ça fait plaisir. On se déchaîne. Ah ouais, ok. Salut le mime, comment tu vas? Oh, mais arrêtez de râler, monsieur, quand vous arrivez. Monsieur Testostérone, qu'on m'appelle. Montez au KBPS. C'est pas de ma faute, et encore j'ai limité un peu. Je voulais monter un tout petit peu plus aujourd'hui. Je me suis dit, je vais faire chier le monde. La faille du laboratoire du directeur. Tiens, on va les vider parce que si c'est un boss, je suis déjà parti. Qu'il est con. Tiens, tant que t'es là, est-ce que t'es dispo demain? Tant qu'à faire. Faut que je demande l'avis de Butters aussi pour la suite de Left 4 Dead. Est-ce que tout le monde est là? Butters, j'irai lui tirer les poils du nez demain matin pour savoir. À demain midi, je devrais dire. Composant partiel 1 sur 3. Ah oui, en fait, il y a des mélanges ou je ne sais quoi. Ça a l'air super bizarre, ça. Bah ouais, c'est ça le problème. Surtout qu'il est beaucoup buggé ces derniers jours. Hein. Moi, il me valide même pas quand je change le titre. Quand je fais modifier, en fait, je suis obligé de fermer le truc et de réactualiser, ça passe quand même, mais il se ferme plus automatiquement. C'est genre super chiant. Putain, mais il y a un bordel dans ce sac. Moi, pas là pour la map chiante. Mais si, ça va passer vite, on en a pour 20 minutes si c'est le dernier tronçon. Il y avait juste à descendre. Hier, le bug de non-présence pendant 1h30. Mais ah ouais, non, mais je te dis, il faut pas chercher des fois. Hein. Bah oui, hier, si il te disait. Parce que des gens sont passés, donc encore, je t'aurais dit, j'aurais pas compris sinon. J'aurais été d'accord avec toi. Mais là, même pas. Alors ça, on peut le mettre à la place des dégâts de froid, peut-être. C'est laquelle, les dégâts de froid? Celle-ci? Hop. Non mais ça, c'est un bordel, quoi. Ça prend toute la place. Ranger. Sérieusement, quoi. Bon, il y a encore de la place, c'est pas grave. Ouais, non, mais il y a des jours, il faut pas chercher, c'est tout, c'est comme ça. Par contre, le bouclier, une fois qu'il est activé, il se désactive pas quand on veut. Donc ça, il faut le savoir. Ami démo. Mais ouais, ça, c'est assez space. Tiens, c'est la faille du laboratoire, en fait. Donc ça veut dire que j'ai enfin trouvé le laboratoire. Mine de rien, on va s'en sortir. On va peut-être enfin buter la gueule à Krieg. Il serait temps. Ah, il y a ses journaux. Mais c'est des cellules le truc. Genre le mec il a fait des cellules, il s'est dit tiens on va laisser traîner un peu. Alors on avait dit l'esprit. Voilà comme ça on récupère les points qu'on a perdus. Hop ça donne aussi de l'XP. On n'a pas le temps de lire, j'ai l'impression de me faire frapper. Ah oui. Ah oui il y a une blatte ou je ne sais quoi qui me tapait. Non mais la prison elle est remplie de cafards quoi. Je veux dire c'est dégueulasse.
Non, mais je sais pas. Twitch, à un moment, c'était redevenu à peu près correct. Et là, depuis quelques jours, il y a des petits bugs. Bon, après, c'est rien de méchant, quoi, en soi, mais. Voilà, je veux dire, voilà. Ils se sont dit, putain, les mecs, ils râlent plus. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Ça fait chier. C'était marrant quand il râlait. Quoi, pas ready? Tu ready et c'est tout. Il l'a lancé plus vite que moi, je l'ai lancé. C'est ça qu'il essaye de me dire. Bon, quand tu fais pas de conneries, quand même, l'arcaniste, ça a l'air de super bien marcher. Je dis bien quand tu fais pas de conneries. Vu que j'en fais. Forcément. Ah non, pas ce truc là. Non, c'est bon, il n'y a pas d'électricité ici. Mais genre manqué. Bon, il n'y a rien par ici. On va prendre les notes de Gertrand. Ah, je crois que c'était ça. Ah non, Gertrand. Bah oui, je te comprends après. C'est relou quand ça charge tout le temps. Je sais parce que des fois ça m'arrive même sur des petits lives, des trucs comme ça quand je regarde. Donc généralement j'abandonne aussi. Je me barre parce que quand Twitch y fait ça me saoule. Bon, ça aurait pas dû s'appeler laboratoire mais labyrinthe, je pense. Ça aurait été plus calé le truc. Parce que ça a l'air d'aller dans tous les sens. Alors rien par ici. Les notes de grand-mère, mais non. Je suis encore en train de tourner en rond. Je me disais bien que ça tourne en rond ce bordel. Ah bah voilà, ils étaient perdus. Bonjour monsieur, je viens pour vous délivrer. Mais non, je voulais pas ramasser les jambières. Alors, tu es le directeur, donc il doit être dans le coin, le mec. Là, on est d'accord. Non, j'ai peur. Arrêtez de faire des bruits comme ça, au fond. Alors, là-bas, ça a l'air de repartir. C'est peut-être ça que j'ai raté par là. Mais c'est fermé. Ta race maudite. Ça peut pas être un labyrinthe, tu as une map. Ah, mais t'as une map, bah oui, voilà quoi. T'as une map. Ah, il y a un chemin vers l'eau que j'ai pas vu. Voilà, c'est quand même labyrinthique. Parce que tu devrais me connaître, moi, et me diriger. Depuis, tu devrais savoir ce que ça donne. Ah, c'était là, il y avait une porte que j'ai pas vue pendant que je me battais. Comme toujours, forcément. J'ai pas vu le seul truc qu'il fallait voir. Je veux dire, ça c'est logique. M'approchez pas, vous êtes puant. Et en même temps, si je râle pas, qu'est-ce que je fais? À un moment, il faut se mettre d'accord. Ouh, une baguette de corrosion. Ouais, mais j'ai pas mis les skills d'acide de l'occultiste. La ferraille, ça j'aime. Donc forcément, il faut que je râle, il faut que je dise que c'est labyrinthique. Juste pour faire chier le monde. Il faut que je dise que ce jeu il est bien donc c'est de la merde. Sinon c'est pas normal. Ouais. Ouais, c'est pas extraordinaire. Voilà, si je te dis le jeu il est mortel, franchement on s'éclate. Il est facile d'accès. Et ben finalement on se fait chier. Parce qu'un jeu sans défaut à la base ça n'existe pas, donc faut bien que je trouve des trucs merdiques. Parce qu'il est bien le jeu. Ah, la deuxième pertu, ouais.
partie des notes de Mergrand, à de Gétran. On va les lire pendant qu'il y a personne. Bah si, forcément, il fallait qu'il y en ait un qui vienne m'emmerder. À les lire, c'est vite dit, les lire. S'en débarrasser, voilà, dégage. Mais qu'est-ce qui vient me taper? Je suis désolé, moi j'ai envie de dire heureusement qu'il y a une map, quoi. Parce que c'est le bordel ici. Ah non, mais pas encore des griffes. Comment on peut obtenir des griffes sur un œil? Je veux dire, là, il faut m'expliquer. C'est ses sourcils, au mec, qui sont tellement durs qu'il pense que c'est des griffes. Je ne suis pas convaincu par tes arguments. Mais c'est justement parce que ce ne sont pas des arguments. C'est des arguments de non-sens. Ils ne sont pas faits pour être compris. Oh. Ça m'intéresse. Oh, il y a des trucs pétés là. En plus, ils sont gentils, c'est une baguette. Ouh, ça a l'air joli. 3 dégâts des terres, 25%. Contrôler l'esprit, gna gna. 5% d'esprit, alors ça m'intéresse. Plus 1, invoquer un familier, ça je suis preneur. En plus, ça doit être les loots uniques. Ah, ça j'aime. Voilà. Non, mais moi je râle tant que j'ai pas du loot, quoi, c'est normal. Dans ces jeux-là, je râle. Bien que je trouve un truc à redire. Voilà, quand j'ai pas du loot qui pète sa mère et tout. Bah, je râle. Que je me dis mon perso il ressemble à rien. C'est fin, je sais pas, j'ai fait un mage, le mec il ressemble à un vieux paysan. Donc forcément je râle. C'est logique. Mais une fois qu'il pète, je te dis voilà, c'est de ma faute, je joue mal. Une fois qu'il a de la gueule. Voilà, après ça voudra pas dire qu'il sera plus fort. Mais c'est juste que voilà, il aura du style. J'aime jouer un perso qui ressemble à quelque chose. À quand le jeu du dauphin? C'est quoi le jeu du dauphin? Le jeu du dauphin. Merde, je vois pas là. Ouais, il est violet lui. Non mais stop les araignées là, calmez vos mères. C'est quoi cette idée du jeu du dauphin? Mais barrez-vous les araignées! Mais je m'en fous, t'as pas la main. Je me fais pas chier. Mais il a pas ramassé la dent de scie. C'est bon, calme-toi bien. Dauphin flippé. Ah putain, oui. Merde, je balance. Voilà. J'ai tellement pas tilté. Bah, j'ai commencé à tester les tables justement tout à l'heure, tiens. Donc, je pense pour bientôt. À demain, j'aurai pas le temps. À moins qu'on finisse trop vite les maps. Et qu'il me reste genre une heure pour commencer un petit truc dessus. Mais j'ai pas encore testé ce que ça donnait sur OBS, mais je pense que ça devrait passer. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'effets en tout cas. C'est de la pure 3D, etc. Donc ça a pas l'air de péter de partout. Mais j'ai pas encore essayé toutes les tables, alors je suis en train de regarder un peu. Parce que je pense qu'elles vont pas rendre tous pareilles si elles sont différentes. Pour l'instant, j'ai essayé Gardien de la Galaxie et les 3 Star Wars. Et finalement, j'ai bien fait de prendre juste les premières tables. Parce que ça m'a fait 8 tables pour 1 $, en sachant que l'autre, il y avait que la Walking Dead qui m'intéressait. Ouais, non, mais c'était très simple. Je te l'accorde. Mais j'ai pas tilté. En même temps, j'étais pas du tout dans ça. Faut le dire. Voilà, je veux dire. Wow, calmez-vous bien. Non, mais ça, mais c'est furieux, ça. Ah, quand il te tombe dessus, les mecs, ils rigolent pas. Et en plus, j'avais le bouclier. Ils sont ouf, les mecs. C'était barbare. Ouais, non, mais sérieux, oui, c'était simple, je confirme. Mais viens là. Mais non, rends-moi ça. Oh.
C'est où déjà? Là. Rends-le-moi, je vois que tu me l'as viré, toi. D'où il m'a viré mon truc? Mais. Arrête de cliquer à côté. Mais casse-toi. Vas-y, barre-toi. Reviens ici. Reviens, Léon. J'ai la même masse pour t'écraser la gueule. Voilà ce que je voulais faire. Dégâts physiques, on s'en fout. Non. Hop, on vire tout ça, range-moi bien, voilà. Oui, non, mais je confirme, c'était simple. Mais oui, il faut que je teste encore la Marvel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à tester? Y a celle, il y a une double table aussi avec le truc des chevaliers, je sais plus quoi. Les tables en plus ont l'air sympas. Elles ont pas l'air moisies. Le chevalier et l'autre, je sais plus ce que c'était. Ah, je sais que c'était une double table, c'est sûr. Ah ouais, peut-être comme ça je verrais mieux, j'étais trop zoomé là. Je sais pas pourquoi ça rezoomait solo, sans me demander mon avis. Alors elle est où l'eau? L'eau, c'est par là. Il me reste aussi une table Star Wars. J'en ai testé une sur les trois, deux sur les trois. Enfin, je dis des conneries, j'essaye de me concentrer dans plein de choses à la fois et finalement je suis concentré dans rien. Si c'est pas des conneries. Ah, il y a de la lecture là-bas. J'avais bien qu'on n'avait pas fini de vider là-bas. Merde, j'ai pas appelé mon copain. Oh, d'où il me congèle lui. Il est fou le mec. Il y a du pognon ici. Donc ouais, c'est plutôt sympa de tester d'abord les tables. Aussi voir un peu ce qu'il faut faire sur les tables. Un minimum, ça peut toujours servir. Mais bon, le flipper, quand tu connais pas les tables, des fois c'est pas fort d'art. Non, mais trop tard, on a trouvé une belle baguette maintenant. Je sais plus. Ah oui, il me reste la Venom aussi à tester, voilà. C'est ça la dernière table aussi à tester. Ah mais merde, c'est 5. Je fais vraiment de la connerie, moi. Ah mais il me manque un skill dans le coin, non? Mais non, mais dégage, toi, arrête d'appuyer. Pas toi. Bah non, je vais pas mettre 1500 sur ce jeu parce que ce jeu, en fait, il est pas spécialement, il déchire pas la rating graphiquement, mais il rend pas super bien sur les. À 1500, en gros, tu verras rien. Je te le dis de suite. Ah mais c'est ça que j'ai perdu. J'avais bien qu'il me manquait quelque chose. Donc je te le dis tout de suite, ça a aucun intérêt. Mais ça m'énerve par contre qu'il me fasse ça. Si je lui demandais encore. Parce que 1500, ça va être une bouillie de pixels à cause des effets, les légers voiles autour du perso. Un peu comme sur Dark Arisen. Mais ici, c'est encore plus prononcé, malheureusement. Oh, il y a un élite. Ah bah, c'est Guétran le trahi. Bourre-le! Oh, lui, il avait plein de trucs. Je savais que de toute façon, il fallait que j'aille vider mon sac rien que pour ce genre de truc. Bon, ramasse!
Ouais, mais si tu mets en 480. Merde, c'est encore allumé, non? Merde, je croyais. Si tu mets en 720, c'est mort. Ça passe direct pas. À 1080, ça doit être encore pire. Parce que comme tu baisses la résolution, forcément, tu vois encore plus les défauts. Donc si tu baisses le bitrate, c'est pas grave. Ça se verra pas spécialement. Mais dès que tu mets en HD, c'est foutu. Faut pas croire, j'ai testé, hein. Je me suis dit ouais sur ce jeu c'est bien, ça va pas être spécialement gourmand, etc. Et j'ai fait ouais non mais c'est mort. Le truc ça ressemblait tellement à rien, j'ai dit c'est mort. Comment on descend? J'ai vu l'escalier mais il n'y en avait pas un autre. Ah là, je suis passé par ici, je savais bien que j'étais passé ailleurs. Non mais les mecs qui font mal quoi quand même. Oh bon Dieu. Il reste un mec là-bas. Mais oui, j'avais testé, je me suis dit tiens, on va tenter 1005, 1006 pour voir ce que ça donne sur le jeu et j'ai trouvé ça tellement ignoble. J'ai dit non, bah tant pis, ça sera du 2000 minimum. Malheureusement. Et je pense qu'après, ça dépend de l'esprit du jeu. Parce que Torchlight, je crois pas que je mettais autant. Et pourtant, il est beaucoup plus coloré, etc. Il y a beaucoup plus d'effets. Et c'est même pas les skills qui rendent pas bien en plus, c'est vraiment cette aura qu'il y a. Et j'ai essayé de virer l'occlusion, etc. Et rien à faire. Il y a du multi, oui. Alors après, j'ai jamais testé parce que je suis pas spécialement fan du multi. Parce que généralement, le problème de ces jeux, quand tu passes en multi, c'était comme Diablo, c'est que ça devenait vite n'importe quoi. Bah, il faut vraiment jouer en continu avec des potes, des trucs comme ça, où tu vas monter tes persos vraiment en même temps. Parce que sinon, ça a aucun intérêt, ça va casser toute la difficulté. Il y en aura plus du tout. Mais après le multi, je pense qu'il est sympa, comme sur Diablo ou Torchlight, etc. Mais c'est lui qui me fait à chaque fois plein de dégâts, là, il y en a une pilonne ma gueule. Sérieusement, quoi. Putain, il y a ce truc des loots où tu vois plus rien. Ça, par contre, des fois ça me dérange quand les mobs se cachent dedans. Mais après, je sais que d'après ce que j'ai pu en lire, etc., le multi fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il est bon, quoi, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de jeu où le multi, je vais le faire de A à Z. C'est pas comme Left 4 Dead, genre où tu vas te ramener, voilà. Ça peut vite te gâcher l'expérience de jeu. Perso, j'ai eu le tour, moi, sur la version PC de Diablo, et c'est un peu dérangeant. Une fois que t'es monté à ton perso, par contre, ça, c'est pas grave. Mais il faut savoir ce qu'on aime. Que t'en as, ils vont dire je m'en fous quoi. Voilà, ils sont là, ils vont se faire plaisir, ils vont tabasser du mob et c'est tout. Donc c'est une question de goût après. Mais c'est vrai que quand tu joues seulement de temps en temps et tu montes pas forcément ton perso avec tout le temps là où les mêmes personnes, eh ben il vaut mieux. Il vaut mieux d'abord avoir fait une fois le tour du jeu, et je pense après mettre des difficultés plus hautes. Et voire même commencer en multi, pourquoi pas mettre direct vétéran sur ce jeu.
Donc la difficulté juste au-dessus. Ah bah si t'as eu un tiers déjà, t'as dû tout comprendre, vu que j'ai fait que répéter la plupart du temps, en prenant en compte que t'allais refresh. Bon, dis-toi qu'il est bien, le multi, voilà. Bah oui, ça évite d'avoir, comment dire ça? Ça évite de faire un trop-plein. Voilà, t'es pas écœuré. Y a pas la sensation d'écœurement, genre j'en ai trop vu, non? Ah, ça me saoule, ça, ma souris qui essaye de se faire la malle. Par contre, je sais pas où aller, je sais qu'on pouvait descendre de l'autre côté, il fallait peut-être pas remonter, hein, finalement. Je me perds, moi, d'homme. Non, mais c'est le bordel, le truc. Alors, ça a l'air de tourner en rond. Alors, en fait, fallait aller carrément là-bas. D'accord. Donc, en gros, on redescend 11 barres. Mais viens là. Me fais pas chier. Alors, par où c'était? Par là, je crois. Me semble-t-il. J'irai vers là-bas, plus vers la gauche. Ah, voilà le mot que je cherchais. C'est pour pas faire d'overdose. Là, il y a un escalier, donc on n'a pas été. Non, mais ils font chier avec leur prison, leur réanimateur, lorsqu'ils veulent. Mais toi, dégage. Mais calmez-vous bien. Voilà, de la lecture. On est passé 19. Alors, je crois qu'en plus, le level monte super haut, parce que dans les succès, il y a l'air d'avoir au moins 85. Je crois le dernier. Donc ça veut dire que ça monte au moins autant là. Zambrante l'ascensionné. Non mais ils sont combien les boss tous en même temps là ici? Oh calmez-vous. Sérieusement. Ouais je le fume à petit feu quoi. Ah bah il passe pas la porte lui. Bah c'est con pour lui. Il passe pas la porte. Bim, bah ouais, non mais tu passes pas la porte. Bah je suis désolé. Moi je me sers du terrain. Voilà, on m'a toujours appris, sers-toi du terrain. N'écoute pas les imbéciles. Et il est où? Il y en a un caché là. Mais non, mais lui il va ramasser, c'est ça le problème. Bon, par contre, il lâchait que de la merde. Parce que bon, le 6 coups, aucun intérêt pour moi. Bim. Mais ramasse-le, je t'avais demandé. Sérieux. Normalement aussi on peut jouer à la manette. Mais moi je ne sais pas, ça a pas trop. Ah c'est la sortie. Ça a pas trop l'air d'avoir voulu marcher, alors je ne sais pas. Est-ce que c'était un bug du jeu et ça a été corrigé depuis? Mais comme maintenant, de toute façon, je me suis habitué au clavier, mais j'aurais voulu tester à la manette pour voir. Parce que des fois, c'est pas mauvais sur ce genre de jeu, si c'est bien optimisé. Si c'est bien optimisé, bien sûr. Sinon, c'est pas terrible. Bon, je crois que c'est bon, cette fois-ci, on a fait le tour, on peut passer la porte. Tupé-tu. Alors, on va mettre l'esprit. Hop, ça c'est ok. Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Pantalon. Ah bah ça c'est toujours mieux que ce qu'on a. Oh, ça ça a l'air pas mal aussi. Quoique c'est de l'énergie. Oh. Quoique il y a énormément d'armure par contre. Parce que je dois avoir très peu.
Ah mais j'ai pas le droit de le mettre justement à cause de ça. Ça je peux pas. Bon finalement j'ai plus un... Ah si j'ai encore les épaulettes. Mais alors franchement je sais pas c'est quand la dernière fois que j'en ai fait tomber, mais ça doit faire un siècle. Ça on prend, ça donne de l'XP. J'ai pas le temps de lire les notes. Ça c'est de la merde. Ça prend de la place. Hop. Voilà, ça me paraît bien. Donc ouais, il me faut encore des épaulettes. Et on arrive au bourse. Ah, j'imagine, je vois une étoile. Ah bah c'est lui. Salut Krieg! Alors par contre j'ai un peu plus de mal à me déplacer que dans Diablo, je trouve. Ah d'accord, il balance des trucs. Bon, la musique est stylée. Je peux pas le glacer? Ouais, il met un dash le mec. Cette musique, mais par contre c'est dommage parce que ça gâche les effets, la musique est trop forte. Alors pourtant elle est moins forte que mes effets. Ça je trouve ça un peu con. Casier judiciaire qui tombe. Non mais calme-toi bien. M'en fous, il y a une table. Ah, billes rouleaux avec ça. Merde, je suis tombé. Ah, mais je suis mort en même temps que lui. Ah, j'ai voulu tester pour voir si j'arrivais sans potion. Ah, le con. Bon, c'est pas grave, je vais faire de la place. Ah, j'ai voulu tester, voilà, la jouer à la loyale et on a fait double KO. Ah, trop balèze le mec. Franchement, moi je dis GG. Ah, c'est beau. Non, c'est beau. Je sais pas à quoi ça sert ça. Qu'est-ce que ça écrit? Dans les armes. Je comprends pas comment ça marche. Je crois que c'est comme ça. Je sais pas si ça l'a compté. Ah non, ça a dû le vendre. Bon, c'est pas grave. Ça, le système de craft, j'ai compris comment on mettait les gemmes. En profiter pour faire tiens la coupure.